Bonjour, bienvenue à la MJC C'est mon plaisir, bienvenue dans notre rubrique Entre nous, je suis en compagnie de Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Marie-Claire qui est danseuse, vous venez de voir un petit extrait, mais elle n'est pas que danseuse puisqu'elle intervient chez nous avec une autre casquette. Elle est intervenante le samedi matin en atelier d'improvisation vocale. Alors Marie-Claire, est-ce que tu peux nous dire davantage sur cet atelier? C'est un atelier où en fait on apprend à faire des circle songs. Donc en fait on se retrouve en cercle et peu à peu on essaye de voir quelles sont les boucles, quelles sont les parties en fait qui sonnent bien pour qu'elles soient complémentaires, qu'on cherche de la cohésion et de la finesse. Et du coup ça passe vraiment par une structuration où on compose des boucles en fait mélodiques, des boucles rythmiques, des basses, du beatbox, et du coup tout ça en fait ça crée comme un arrangement, et après on essaye du coup d'aller au centre et de faire un solo ou même un duo. Alors là on va regarder tout de suite un petit extrait. Marie-Claire, on vient de voir donc cette petite extrait de vidéo. Donc effectivement, les gens sont en cercle. Alors là, est-ce que dans cette vidéo, toutes les personnes étaient déjà confirmées? Est-ce qu'elles savent déjà chanter? Ou est-ce que tu as des débutants? Comment ça se passe? À qui ça s'adresse en fait ce cours? Alors ça s'adresse à des débutants qui ont envie du coup d'apprendre la musique, qui sont prêts à oser chanter en groupe. Et pour cela, je les accompagne parce que j'enseigne aussi la technique vocale d'Emmanuel Trinquès. Et en fait, j'ai des explorations pour libérer les tensions au niveau, par exemple, de la mâchoire, du larynx, de la langue, du diaphragme et du bassin. D'accord. Et du coup, ça encourage à accueillir un geste vocal sain dans notre corps et à se sentir mieux, du coup, pour être prêt à être libre en fait avec sa voix. Et ça s'adresse du coup aussi à des chanteurs et même à des musiciens qui n'ont pas trop l'habitude de chanter. Donc aux chanteurs, ça permet du coup d'amener plus de vie après dans leur chant, parce que voilà, quand on chante des partitions, du coup de faire du chant improvisé, on voit d'autres univers. Alors tu parles de partition, moi je ne connais pas la musique, je ne sais pas ce que c'est qu'une partition. Est-ce que moi, par exemple, qui suis complètement novice, je peux intégrer ton cours? Oui, c'est-à-dire je suis débutante, j'ai envie de chanter, est-ce que je peux le faire? Oui, parce que d'abord on développe vraiment tout ce qui est dans la spontanéité. On voit tout le potentiel qu'on a déjà en nous, et peu à peu, à force d'improviser, à force d'écouter de la musique, et du coup d'avoir une technique de plus en plus, ça fait un chant où il y a de plus en plus de musique. Donc, en fait, ça s'adresse à des débutants. On a parlé de musiciens, donc les musiciens, un joueur de guitare ou un pianiste peut éventuellement aussi intégrer ton cours. Oui. Et quel est le sens pour intégrer ton cours? Pourquoi lui, en tant que musicien, pourrait chanter aussi? Enfin, ça libère quoi chez un musicien en fait? En pédagogie, on a remarqué que d'abord de chanter les notes que l'on joue, ça a un impact aussi sur l'interprétation. Et aussi de faire du coup du chant improvisé en circle son, en fait comme on crée des arrangements, ça peut aussi du coup servir de base de composition après. Et en fait on développe beaucoup notre univers musical en fait. Donc vous savez tout, vous êtes musicien ou pas, chanteur ou pas, venez donc intégrer le cours de Marie-Claire le samedi matin. On rappelle à peu près, on rappelle les horaires, c'est à 10h. À 10h, ouais. Donc vous voyez que vous pouvez maintenant l'intégrer en cours d'année. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner à l'accueil de la MJC C'est mon plaisir auprès de Sandrine. Et bien je crois qu'on a fait le tour de cette activité. Et bien on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis à tout bientôt. Bye bye. Merci.